Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite de la vidéo de comment réaliser un marque-page original. Je vais réaliser dans cette vidéo deux marque-pages en même temps et je vais utiliser le même matériel que j'ai utilisé pour le premier marque-page que j'ai posté il y a quelques jours. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner cette vidéo d'abord, la vidéo précédente je veux dire, et puis ensuite visionner celle-ci. Donc ça va être du matériel de chez Action. J'ai voulu vraiment me baser sur du matériel un peu bon marché pour montrer qu'avec du matériel qui n'est pas extraordinaire, on peut quand même réaliser quelque chose d'original. Donc ça va être quelques pinceaux, quelques brosses plates, de la peinture acrylique de chez Action, du gesso, de l'eau et des morceaux de papier cartonné, alors des feutres si vous avez des feutres, et un feutre noir, un Posca aussi si vous en avez un, que ça soit blanc ou noir, ça fera l'affaire. Et donc je vais d'abord enduire mes fonds de marque-page. Ce sont deux morceaux de papier canson. C'est pas comme pour l'autre marque-page que j'avais récupéré un fond d'un paquet de chocolat. Donc pour ces deux morceaux, ces deux bandes, on va dire, je vais les enduire d'abord avec du gesso, juste pour que j'ai quand même un côté un peu légèrement entre guillemets imperméable. Bon, le gesso de chez Action, il est pas mal, mais bon, il n'est pas assez épais pour protéger la surface, mais bon, il est quand même pas mal. On peut l'utiliser aussi comme peinture blanche. Si vous n'avez pas une peinture, de la peinture blanche, eh bien vous pouvez l'utiliser comme peinture blanche. Ce n'est pas extraordinaire parce que bon, vous n'aurez pas un film lisse. Ce sera légèrement rugueux, mais pourquoi pas. Alors je vais prendre d'abord, je vais commencer par des couleurs chaudes. Je vais commencer par l'orange et je vais mettre un mélange d'orange, de rose et de jaune. Et je vais créer quelques comment on va dire ça, un fond un peu brouillé comme ça. Alors pour tout vous dire, je me suis lancée dans ces deux marque-pages sans savoir exactement ce que j'allais faire. Donc la première des choses que j'ai prises, c'est ce que je vous conseille d'abord, c'est commencer, lancez-vous et au fur et à mesure, l'inspiration ou bien l'imagination va se développer au fur et à mesure. Donc vous aurez des idées de comment on va dire ça, à compte-goutte ou comme vous voulez, je veux dire, ça va venir petit à petit. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre travail, eh bien vous allez avoir d'autres idées, vous allez être peut-être inspiré par quelque chose que vous avez vu quelque part ou dans une vidéo ou alors que vous avez vu dans un livre, un magazine, etc. Ou tout simplement quelque chose que vous voulez expérimenter ou exprimer. Donc moi, pour l'instant, je me suis beaucoup plus préoccupée de la couleur du fond. Donc j'ai mélangé de l'orange avec du jaune, avec un peu de blanc pour laisser un peu de luminosité pardon, à mon fond pour lui permettre après de superposer par-dessus d'autres couleurs, etc. Et pour ce deuxième marque-page, je vais créer un sorte de dégradé, mais je vais surtout rester dans les tons rosés. Alors, je reviens au premier marque-page. Comme j'avais toujours les bouchons sous mes mains, eh bien, je vais tamponner quelques petits motifs juste pour faire du remplissage. Et ensuite, je vais les reprendre. Vous allez voir, je vais dessiner quelques motifs, mais vraiment au hasard. Laissez le hasard des fois vous guider, vous allez voir, on arrive à faire des choses extraordinaires. Alors, pour ce deuxième, je vais quand même réaliser quelque chose de figuratif. Et alors pour celui-ci, je vais réaliser surtout des dessins en noir avec de la peinture noire. Donc je ne la dilue pas dans l'eau parce que je vous ai dit que la peinture est assez fluide, elle est très liquide. Donc je la garde comme elle est et j'essaie un petit peu de l'utiliser comme un gros feutre noir. Si vous n'avez pas un Posca noir, utilisez cette peinture
je veux dire la couleur noire telle qu'elle est, et vous essayez de dessiner des tiges assez fines. Et alors pour reprendre le premier marque-page, j'ai laissé sécher et je vais casser un peu cette comment on va dire ça, cette surcharge pardon de couleurs avec du blanc. Je vais apporter un peu de légèreté avec du blanc et je vais après au fur et à mesure inventer des motifs, etc. Donc c'est moi je vous ai dit je pars de rien et au fur et à mesure j'ai des idées. Je reprends le même blanc qui est le gesso. Comme je vous ai dit au début, vous pouvez utiliser ce gesso comme de la peinture blanche. Vous pouvez faire du deux en un. Donc je vais remplir mes pétales et mes feuilles pour pouvoir un petit peu les travailler avec d'autres couleurs. Et donc je vais utiliser au fur et à mesure des feutres. D'abord je vais utiliser ce feutre-ci de chez ColourPeps. Je vais faire quelques contours et puis après je vais reprendre par-dessus avec un autre feutre, vous allez voir. Et donc voilà, moi c'est vraiment des feutres de récup. J'ai récupéré ces feutres de la trousse de ma fille. Pourquoi jeter des feutres? Même des feutres qui ne fonctionnent plus, on peut faire pas mal de choses avec. Vous allez voir dans une autre vidéo, mais bon, je dois faire le montage et je vous montrerai ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment une micro-vidéo, mais j'essaierai quand même de vous la poster peut-être, ou alors sur Instagram. Donc avec ce feutre-ci, je reprends mes motifs, par-dessus mes motifs, pardon, pour créer un contraste entre le blanc et le noir. Alors je souligne certains endroits pour embellir un petit peu mon marque-page. J'utilise aussi la technique du doodle, hein. Je vais un petit peu dessiner quelques motifs, etc. Mais tout ce qui me passe par la tête, hein, je vous ai dit et je le répète, je ne sais pas exactement ce que je vais faire au début et au fur et à mesure, je tente un trait par-ci, un trait par-là, etc. Et au fur et à mesure, vous voyez, vous essayez d'équilibrer et de voir si ça donne bien. Mais si ça ne donne pas bien, bah, il y a toujours de la peinture blanche pour camoufler ou pour effacer, hein, entre guillemets, et vous repassez par-dessus. Je vais ensuite prendre des crayons de couleur et je vais un petit peu colorier pour adoucir un petit peu ce ton blanc qui pour moi était très imposant. Donc je vais colorier vraiment légèrement pour avoir un peu de transparence entre le blanc et le bleu du crayon de couleur. Et puis je vais encore colorier avec des pointillés à l'intérieur de certaines fleurs. Et ensuite, je vais repasser par-dessus avec du Posca, juste pour créer un peu de contraste entre la couleur que je viens d'ajouter avec le crayon de couleur et le Posca. Et comme je vous ai dit, il y a toujours moyen de camoufler, soit en peignant par-dessus carrément avec du blanc, ou alors en intervenant avec du Posca. Le Posca blanc peut un petit peu alléger la couleur que vous avez mis, que vous trouvez qui est assez imposante. Donc si vous avez mis par exemple trop de rouge, eh bien pour casser cette intensité, ajoutez quelques pointillés ou quelques motifs.
Alors, je reprends mon deuxième marque-page et je colorie quelques endroits, le coin de mes petites feuilles, et je fais monter un petit peu cette couleur avec un pinceau humide. Donc, j'essaie un petit peu de fluidifier cette couleur. Ce sont des feutres écoliers, pardon, et donc ils sont solubles dans l'eau. Donc c'est ça qui est vraiment chouette avec les feutres écoliers, pas tous, mais surtout avec les Colourpeps, on sait les utiliser comme des feutres aquarellables. Donc c'est ça qui est chouette, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter des feutres de grandes marques comme les Tombow qui sont vraiment excellents. Vous pouvez déjà dépanner avec ça et au fur et à mesure que vous gagnez un peu d'expérience et voilà que vous vous lancez vraiment dans la matière, eh bien vous pouvez investir dans du matériel assez coûteux qui vaut la peine bien sûr, mais pour commencer, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de matériel. Il suffit des fois de rien du tout pour faire de jolies choses. Ce qui compte, c'est se lancer et puis pratiquer. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous allez progresser et l'imagination, la créativité va se développer au fur et à mesure de vos expérimentations. Alors, si je peux me permettre de vous conseiller un point important, c'est que comme dans le dessin et pareil aussi en peinture, si vous voulez vraiment donner beaucoup de profondeur à votre dessin ou à votre peinture, surtout en dessin, jouez avec les différentes tonalités de crayon, de mine de crayon. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord commencé avec un traçage assez épais. Vous avez vu, j'ai utilisé le feu, la peinture. Donc j'ai tracé avec le pinceau, les tiges, etc. Et au fur et à mesure, je suis revenue par-dessus ma peinture avec un traçage léger, très très fade, qui était le rose. Donc j'ai redessiné les tiges, etc., en rose, ce qui m'a donné ce sentiment d'arrière-plan. Donc jouer avec les différents niveaux de plan. Et maintenant, je reprends par-dessus avec un feutre noir, un Staedtler, avec une mine vraiment fine, une mine M. Ouais, un médium, pardon.
Donc voilà, je reprends par-dessus, je trace quelques tiges et je mets quelques petits rappels dans certains endroits, par exemple à l'intérieur des pétales, etc. Juste pour avoir un peu de richesse au niveau du trait. Donc tantôt vous aurez des traits épais, fins, fades, etc. Et c'est ce qui enrichit un dessin ou une peinture. En peinture, c'est jouer avec les largeurs de brosse et de pinceau. Ça, c'est vraiment ce qui donne une peinture intéressante. Et en dessin, c'est jouer avec les différentes duretés de mine. Alors maintenant, je prends mon Uni-Ball, mon stylo gel blanc à pointe fine et je repasse sur certains endroits pour d'abord marquer quelques contours, c'est-à-dire sur certains traits épais, eh bien, je vais casser un petit peu cette épaisseur et je vais tracer quelques traits tout fins blancs pour créer un peu plus de profondeur et puis pour créer aussi des motifs à l'intérieur de ces petites feuilles. Donc c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je vais jouer avec les différentes largeurs des pointes. Par exemple le Posca, ben, la pointe est assez épaisse, vous voyez bien que j'ai fait carrément des gros points et avec ce stylo gel, j'arrive quand même à faire des cercles, des petits cercles avec un traçage très fin, pardon. Et je trouve que c'est beaucoup plus élégant comme ça, tout en restant dans la finesse. Alors vous pouvez toujours reprendre par-dessus avec d'autres feutres, soit d'autres couleurs ou alors des couleurs un peu plus contrastées, c'est-à-dire plus foncées, pour aider un petit peu certains endroits à mieux ressortir, créer des contrastes de nuances, etc. ou alors des effets de profondeur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et comme ça, vous allez jouer avec les reliefs ou alors avec les différents plans. Les arrière-plans, etc. Sachez aussi que tout ce qui est devant, tout ce qui est rapproché et contrasté, et tout ce qui est éloigné est fade. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est concernant la réalisation de ces deux marque-pages originaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées
pour vos futures marque-pages. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, non seulement pour me soutenir à vous produire davantage de vidéos, parce que bon, c'est vrai que ça prend énormément de temps, le fait de réaliser, etc. Mais bon, c'est toujours un plaisir de vous créer et de vous produire du contenu qui pourrait vous enrichir au niveau créatif et pour booster aussi votre imagination, votre créativité, vous encourager à vous aussi à vous y mettre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce haut. Non seulement vous allez m'encourager à vous produire, mais aussi soutenir ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos concernant le dessin, la peinture ou le coloriage. Et si vous êtes intéressé par la formation coloriage, je vous invite à lire la barre d'infos. Dans la description, je vous ai mis le lien qui vous envoie directement vers la page concernant ma formation coloriage. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous offre deux e-books. Le premier qui vous explique le matériel en détail avec mes meilleurs conseils, les trucs et astuces, etc. Le deuxième dans lequel j'ai mis 101 idées de dessin qui vont vous inspirer pour vos prochains dessins. Et alors, ce sont quand même des idées illustrées en images de grande qualité. Et tout de suite après, vous recevrez aussi en même temps. Dans ce pack, c'est un kit de dessin que j'appelle un kit de dessin. C'est deux e-books et deux vidéos tutoriels, deux cours de dessin de sujets différents qui vont vous booster, qui vont vous apprendre comment dessiner deux sujets différents que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc tout ça, vous allez le recevoir en vous inscrivant à mon site. Vous allez cliquer dans le lien que je vous ai mis dans la description. Vous allez vous retrouver sur la page concernée. Vous mettez votre adresse email et tout de suite vous recevrez mes deux e-books et successivement mes deux vidéos tutoriels. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochains tutos ou alors un prochain article sur mon blog. Merci d'avoir visionné cette vidéo et merci pour vos encouragements. Je vous fais un gros bisou et à très vite.